cette séance, on va parler sur les travaux de terrassement. Et on va commencer par les engins. Donc, cette séance, elle est intéressée par les engins de terrassement. Et premièrement, je vais commencer par une introduction sur les terrassements généraux. Les terrassements généraux ont pour objectif, ou bien pour but, de créer les plateformes sur lesquelles sont édifiés les bâtiments ou bien le projet, et de préparer l'excavation de grandes dimensions nécessaires pour les sous-sols. Il ne comprend pas les terrassements propres aux bâtiments et à leurs fondations. Ces travaux sont effectués à l'aide d'un matériel lourd et hautement spécialisé qui relève des travaux publics, comme le bulldozer, le scraper, dumper, pelle mécanique. Et la première opération consiste sous réserve que les constructions existantes et gênantes ont été démoulées, à nettoyer, c'est le décapage, le terrain, et à enlever la terre végétale en protégeant, si nécessaire, les arbres en place. Pour la mise à niveau, les situations suivantes se présentent généralement pour les bâtiments industriels et les centres commerciaux. Le terrain doit être rendu plan, sur toute sa surface. Des dénivelations restant possibles, mais devant être étudiées pour ne causer aucun gêne dans l'exploitation. Pour les groupes d'habitation, le terrain doit être seulement aplani au droit des bâtiments, des voiries comme les routes et des aires de stationnement avec éventuellement des approfondissements locaux. Le terrain doit être creusé profondément pour loger des sous-sols, ce cas aussi rare dans les bâtiments courants et situé pour les mémoires car il s'applique essentiellement aux immeubles des centres-villes. Le terrassier exécute également les tranchées pour les diverses réseaux de canalisation de fluide, mais en tant que sous-traitant des entreprises spécialisées aux réseaux de verre. Les réseaux de verre comme comme l'assainissement, l'électricité, les plomberies, il y a beaucoup des travaux qui consistent les réseaux de verre. Alors, enfin, toutes les terres en accident non récupérables pour des remblais ou de modulés doivent être évacuées en dehors sans mouiller les chantiers. Pour les bâtiments d'habitation et les écoles, les travaux de terrassement sont en général réduits. Ils consistent à établir les plateformes au droit des bâtiments et des chaussées, compte tenu des sous-sols éventuels mais en coulant au terrain au plus près afin de réduire les mouvements de terre, partant le coup. Mais les exceptions à cette règle ne sont pas rares. Le bâtiment peut comporter un sous-sol, surtout en partie de sa surface qui implique une fuite en plein masse. Important. Le terrain de grande surface et en pente légère est peu appréciable à l'huile, ni mis sur 200 ou 300 mètres, la dénivelation peut. Je crois que peut atteindre plusieurs mètres. Des décrochements du niveau étant de prohibé dans une usine, il faut pour obtenir une surface horizontale procéder à des mouvements de terre en déblayant une zone et en remblai d'autres parties. Le niveau moyen doit être déterminé de façon à éviter les apports de terre extérieure et les enlèvements ou décharges. Il faut donc ajuster le volume de déblé et de remblai en choisissant judiciablement, et il faut décaper sur un hauteur important et envoyer les excédents aux décharges. Ce problème simple en apparence est en réalité particulièrement complexe et souvent mal apprécié, ce qui peut gréver lourdement le prix du terrain si le sol est de mauvaise qualité, inutilisable ou difficile à compacter, sans oublier les retards dus aux intempéries. Mais les entreprises disposent d'un matériel généralement surpuisant auquel il suffit d'apporter des changements mineurs
pour qu'il soit utilisable sur le terrain envisagé. Changement des dents, du coudé, par exemple, ces travaux effectués par l'entrepreneur de terrassement généreux qui libère la plateforme Brit sont basés sur un enjeu de plan, des plans qui indiquent le niveau fini à obtenir ainsi que le cré ou selon les cas les pieds du talus de sécurité. Ces plans doivent être joints au dossier d'appel d'offres, des lots, des grosses œuvres, des fondations spéciales et ils sont comme dans les projets industriels, dans les cas d'un issue. Alors, pour les travaux préliminaires, sur le terrain peuvent se trouver des bâtiments, une élévation et un sous-sol, ainsi que des canalisations qui ont été inutiles ou gênantes pour la future construction et qu'il faut démolir. Démolir, ça veut dire l'hedm ou le trier. Les démolitions par élévation sont effectuées par un entrepreneur spécialisé. Spécialisés disent qu'ils sont de quelques importances. L'usage veut que le bâtiment soit arasé au niveau du sol existant et les caves éventuellement comblées avec les degrés de la démolition. L'entrepreneur de terrassement démolit les constructions légères, il abat également les arbres gênants et assure la conservation des autres. Il participe souvent à des opérations complémentaires d'installation de chantier telles que la démolition des itinéraires du camion, le flichage, la signalisation routière de complément, les protections ou les déviations pour les piétons, l'aménagement de portions de terrain pour le logement des personnels, l'installation des baraques, les zones de dépôt, etc. Étant souvent le premier entrepreneur avec le démolisseur à inventure sur le terrain, il est fréquemment chargé d'établir la clôture du chantier qui sera constitué par un simple cordon surpiqué ou par une palissade réglementaire en plancher, règlement local. Dans la mesure du possible, l'emplacement des constructions du moulet doit être indiqué sur le plan du terrassement car il subsiste généralement des fondations, des sous-sols, du fossé. Il arrive qu'un temps assez long s'écoule entre la démolition et le début du travaux. Et puis les propriétaires et promoteurs peuvent changer le projeteur au cours de sa visite. Alors un terrain d'une d'obstacles, il ne peut pas deviner ce qui sont parfois même ignorés au niveau propriétaire. Il est dans ce cas conseillé de consulter les plans cadastraux qui est rarement récent et qui indique les constructions anciennes dont la trace a disparu. Certaines entreprises de terrassement exécutent également des travaux d'amélioration du sol afin d'augmenter sa force portant. Ils ne seront pas décrits ici car ils sont essentiellement fonction de l'usage futur de bâtiment. Par contre, le terrassé exécute fréquemment une couche en grave ciment ou similaire sur la surface des bâtiments et des aires de manœuvre afin d'obtenir une plateforme utilisable par les camions d'approvisionnement, les engins de levage ou de battage, des pieux ainsi que par le personnel. En principe, un arbre de plus de 10 cm de diamètre ne doit pas être abattu. Il a défaut, le projeteur vérifiera que les autorisations nécessaires ont bien été délivrées pour assurer une bonne protection. Alors pour assurer une bonne protection des arbres et bosquets pendant la durée du chantier, il est conseillé de prévoir une clôture en châtaignée de 2 mètres de hauteur et 1 mètre d'environ de l'arbre ou de bosquet. Alors pour les normes françaises, mais à la charge du lot, LVRD, varié des réseaux d'affaires, les branchements provisoires d'égout, l'exécution des voies d'accès provisoire, l'entretien de ces voies, ce sont des suggestions de chantier à ne pas négliger lors de la mise en point du calendrier des travaux. Dans les terrains gravilleux ou sableux, il est possible d'exploiter les matériaux en place pour les besoins des chantiers. Le terrassier effectue alors le découvert, puis après purage, remplit le terrain en s'efforçant de constituer les caractéristiques antérieures
ce qui pose en général de nombreux problèmes au niveau de fondation, tenue de dallage, que le projeteur doit étudier avec soin, sans oublier l'intervention des bureaux ou bien des bureaux de contrôle. N'oubliez pas qu'il ne faut pas négliger le problème de l'eau. Les terrains constructibles sont généralement à l'abri des inondations courantes, mais pas toujours des inondations circulaires. La nappe phréatique peut être proche du sol, soit constamment, soit périodiquement, ce qui implique, selon son niveau de travaux préliminaires de drainage général, une gêne lors de fondation ou de l'exécution de ce sol. Les travaux de drainage, de même que ceux de soutènement, seront réalisés avant les travaux de terrassement proprement dites, d'où une contrainte dans le calendrier des opérations. Alors, dernièrement, pour l'exécution des terrassements, il ne sera pas donné des indications sur l'exécution proprement dite de terrassement, car le choix des moyens est d'une manière générale laissé à l'entrepreneur. Par contre, le rédacteur des devis descriptifs, avec un CPS, le cahier de prescription spéciale, doit indiquer la nature présumée du terrain, sauf s'il y a un rapport de sondage indispensable pour les opérations de quelque importance et joint au dossier de l'appel d'offres. Dans le cas de terrassement mécanique, les terrains peuvent approximativement être classés de la manière suivante: sol meuble non compacté, gravier, sable, limon, extra, sol meuble compacté comme l'argile, l'épaisse, le marin, la crue, schiste, extra, le sol compacté comme l'opidine, les grès poreux, calcaire, gypse, et dernièrement le sol dur comme calcaire dur, basalte, porphyre, gneiss gris. Chaque catégorie nécessite un matériel particulier, les prix unitaires différents de l'une à l'autre, tant pour l'extraction que pour le transport hors du chantier ou la maison remblée. Le réemploi des déblais ou remblés n'est pas toujours possible, surtout si le terrain en place est mis de cœur ou surpris par le compactage ou à faire vérifier lors du sondage préliminaire. D'autre part, la présence de l'eau entraîne des travaux préparatoires pour rendre le chantier accessible aux engins de terrassement, spécialement dans le cas du sol meuble. Le rédacteur doit faire figurer également dans son texte la description des biens privés que l'examen des documents, possession ou son expérience, lui permettant d'envisager qu'ils feront l'objet de prix de bordereau, ce qui évitera des discussions ultérieures sur le prix unitaire, car les maîtres sur place ne feront en général pas de difficultés. On citera par exemple les blocs erratiques, les canalisations abandonnées, les fondations d'anciens ouvrages, les venues d'eau, les changements privés de la nature du terrain, les éboulements consécutifs au gel et aux pluies et diluviennes extra. Enfin, ils doivent vérifier que les plans comportant toutes les indications nécessaires pour que l'entrepreneur puisse effectuer un avant-métré précis. Une fouille doit toujours être limitée par un palais dont la pente est fonction des conditions locales, nature du terrain, saison, présence d'eau. Dans le cas où la tenue de talet de l'eau et de ruissellement et mes décors, il faut le protéger par une fouille plastique. Il n'y a rien de plastique, pas d'une chose pour la pente à talet, parce que je n'ai pas besoin. Aussi, la fouille longue d'un bâtiment à conserver, la crête ne doit pas être située contre cet élément, mais éloigné de 1 à 2 mètres afin de glisser un passage et de ne pas dégrainer les fondations. Et cela est impossible. Impossible, il faut procéder à un blindage, la fouille étant alors taillée verticalement et discutée par un élément. Je verrai la partie numérale qui est terminé. Je vous remercie beaucoup et vraiment je vous invite pour abonner sur ma chaîne et pour inviter vos camarades ainsi pour abonner
fait un lac, vraiment la chaîne. Il aide, il a laissé cette roue que vous êtes. Merci.